personne qui a été guérie par le Seigneur et qui voulait témoigner, c'est qui? Un frère a vu un tourbillon. C'est qui? C'est toi? Tu peux venir, s'il te plaît? Il se passe des choses ici en Tahiti. Oula, ça glisse. Bonsoir. Ok, tu veux témoigner? Tu as vu quoi? C'est pas mon cas, je dois témoigner pour mon frère. C'est... Il n'est pas venu? Il n'est pas venu ce soir. Qu'est-ce qu'il a vu? Le jour qu'on a prié pour lui, le devant, en tombant, enfin, il a reçu en plein cœur, il n'a jamais reçu ce truc-là. Ça fait, il me disait, ça fait un boum, 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 comme ça. Mais des masseurs, j'ai jamais vu ça. Et puis quand il est tombé en se levant, il avait un tourbillon. Il dit, ben, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça veut dire que s'il mourait dans cet état de péché, il rentrait là-dedans. Voilà. Il s'est fait baptiser? Pas encore, mais il voulait, mais j'attends demain. Ouais, il faut qu'il se fasse baptiser rapidement. Ça fait réfléchir, hein? Quand les gens meurent, là, ils rentrent dans ce tourbillon-là. Hop, ils tombent en enfer. Sans Jésus, bien sûr. Il peut être atteint et tout, avant de nous y aller.